projet est celui d'une CPTS, dispositif de soins primaires, une nouvelle organisation qui vient dans la complémentarité, dans la dynamique de celle des maisons de santé pluriprofessionnelles. Notre territoire est un territoire rural au nord-est de la Seine-Maritime, caractérisé par une forte proportion de personnes âgées et une rareté de l'offre de soins cardiologiques. Notre projet consiste à aller chercher les insuffisants cardiaques qui s'ignorent, là avant les premiers signes et pour éviter des découvertes à l'occasion d'une hospitalisation, ce qui est souvent encore le cas. Quels sont les professionnels qui interviennent dans ce dispositif? L'ensemble de l'équipe de soins primaires, en passant par les pharmaciens, qui nous ont semblé les officines, qui nous semblent les portes d'entrée les plus pertinentes, avec un lien fort avec les médecins traitants. Ce dispositif ne s'arrêtera pas forcément dans les soins primaires, on va peut-être élargir aux infirmières à terme, mais bien entendu, ça se base aussi sur un réseau pluridisciplinaire avec tous nos cardiologues référents, même en dehors du territoire. Donc concrètement, à la pharmacie, on pose un questionnaire simple basé sur les 4 signes. Essoufflement, poids, œdème, fatigue. Puis on transmet au médecin traitant via une messagerie sécurisée. Lui peut s'appuyer sur une expertise cardiologique en télé-expertise et avoir recours au recours secondaire. Alors concrètement, le questionnaire se passe en 5 minutes à l'officine. On a un lien avec les médecins traitants pour un rendez-vous sous 15 jours. Quels sont les secrets de la réussite? C'est clairement la constitution d'équipe, d'interaction interhumaine, de connaissances, de partage initial et de structuration. Il faut aussi des prérequis comme l'usage de solutions numériques. On a parlé de messagerie sécurisée, de solutions de téléconsultation qui sont indispensable. Il y a besoin de formation aussi pour les professionnels, un préparateur en pharmacie par exemple. On dira que la base de tout, c'est vraiment l'envie de travailler ensemble, l'équipe, et ces relations interhumaines qui sont vraiment fondamentales.